Qu'est-ce que vous mijotez? Par ici. Nous ne sommes pas seuls? D'après ce que je peux voir, il y a une dizaine de fidèles de Ranrok, peut-être plus. Ne pourrait-on pas transplaner dans la tour? Trop risqué. Nous ignorons ce que renferme cette tour. Pour ma part, je serais curieux de savoir ce qu'ils font ici. Ils ont dressé le camp un peu plus loin. Essayons d'en savoir plus avant de faire quoi que ce soit d'autre. Allons-y. C'est loin d'être idéal. Non, vraiment pas. Par ici. Et je propose que nous utilisions le sortilège de désillusion ici. Autant éviter de prévenir tout le monde de notre arrivée. Ah, mais si tu ne manges pas autant, tu... Révélio ! C'est vrai ! Quand tu manges beaucoup... Faisons vite ! Restez cachés et lancez Petrificus Totalus. Bravo! Ça ne devrait plus arriver. Prends à tes amis et regarde ce qui se passe quand t'écoutes pas. Il doit y avoir quelque chose ici. Ranrok l'a dit. Il doit y avoir quelque chose ici. Ranrok l'a dit. Révélio. Des ordres, émanant de Ranrok. Ces ordres indiquent qu'ils cherchent quelque chose en rapport avec des noms. Quels noms? Et pourquoi ici? Je vais te faire souffrir. C'est toi qui sens comme ça. Bingo. Ah, c'est bien. Fringo.
Revelio. Je ne pense pas que les gobelins soient au courant des épreuves, mais ils se doutent que cet endroit a son importance. Ce n'est pas une coïncidence si nous avons rencontré des fidèles de Ranrok ici. Revelio. Nous avons trouvé l'entrée, apparemment. C'est verrouillé. Un sortilège de déverrouillage ? C'est très pratique. Ce n'est pas le moment. Revelio ! Mais si on ne vous l'enseigne pas très vite, nous travaillerons dessus une fois rentrés au château. Je me demande qui c'est. Avec cette tenue, ce pourrait être n'importe qui. Revelio. Bienvenue dans la tour de Sanbacar. Bonjour, professeur. Vous avez dit la tour de Sanbacar ? Oui, le professeur Bacar est l'un des gardiens dont vous devrez faire la connaissance. Je suis content de constater que j'avais raison de penser que nous nous reverrions peu de temps après notre dernière rencontre. Même si, au vu du tumulte, vous semblez avoir rencontré des difficultés pour me retrouver. Pas du tout, professeur. Nous sommes tombés sur des gobelins à l'extérieur de la tour. Il est très inquiétant que des gobelins aient eu connaissance de mon coffre. Mais s'ils ont une connexion avec cette tour, la menace est plus grande que je le pensais. C'est pourquoi nous n'avons pas de temps à perdre. En bas, près de l'entrée, un dépôt de magie ancienne, semblable à ceux que vous avez déjà vus, a été déverrouillé. Utilisez-le pour accéder à un passage. Je crains de ne pas pouvoir vous en dire plus. Puisque le professeur Fig ne peut pas se joindre à vous, lui et moi vous retrouverons dans la salle de la carte. N'oubliez pas ce que vous voyez. Nous devons comprendre comment les fidèles de Ranrok ont découvert une tour ayant appartenu à un gardien. Pour le moment, cependant, vous devez vous pencher sur des sujets plus importants. Un dépôt de magie ancienne, je crois. Oui, monsieur. Alors, je vous confie cette mission dont je ne doute pas que vous serez digne. Néanmoins, faites attention. Oui, monsieur. Je vous rejoindrai dans la salle de la carte. Un dépôt de magie ancienne, en bas, près de l'entrée. Revelio. Revelio.
J'ai déjà vu ça. À Gringotts et dans la réserve de la bibliothèque. Revelio. Ça a dû changer quelque chose. Je ferais mieux de jeter un œil. Revelio. D'autres traces de magie ancienne. Quelque chose doit être différent. Revelio. Ça ne me fait pas vraiment plaisir de les retrouver. Au moins, je sais à quoi m'attendre cette fois. Protego! Incendio! Revelio. J'ai comme un air de déjà-vu. Thank you.
Attention! Fallait utiliser. Action. Fringo! Action! Qu'est-ce que cette rafale de magie va faire? Je devrais examiner les deux côtés de l'arche. Revelio. La pièce est venue quand j'entre et je sors de l'arche. D'autres statues. Oh. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. D'autres statues. Confringo, Expelliarmus. Il
facilite pas la tâche. Action! Revelio. Qu'est-ce que cette rafale de magie a pu changer des deux côtés de l'arche? C'est sûrement différent désormais. J'ai intérêt à explorer des deux côtés de l'arche. Je dois observer comment la pièce évolue quand j'entre et je sors de l'arche. Je ne me ferai jamais à ce sol. Incendio!
Revelio. Revelio. Action. Revelio. Pas du tout ça. Stupéfice.
Incendio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Quel soulagement! Une autre pensée. Revelio! Votre capacité à transformer le monde qui vous entoure est remarquable. Qu'y a-t-il ?
Ton père ne va toujours pas mieux. Je pense qu'il ne se remettra jamais de la mort de mon frère. Il est insoutenable de voir ce que nous aimons souffrir. Ça remonte à des années. Mais la douleur de l'avoir perdu est toujours aussi grande, comme si la sécheresse venait tout juste d'avoir lieu. Ce ne sont pas de beaux piliers dont il a besoin, mais d'être en paix. Peut-être puis-je l'aider, professeur. Vous en faites déjà tellement pour votre père. Ce n'est pas suffisant. Je veux qu'il arrête de souffrir. Il est tentant, c'est vrai, d'utiliser cette magie que vous découvrez pour transformer plus que le monde physique. Mais les émotions humaines sont puissantes et il est difficile d'y résister. Même une sorcière compétente aux intentions louables ne peut imaginer les conséquences irréversibles qu'entraînerait leur manipulation. Alors quoi, je dois me contenter de regarder mon père se consumer à petit feu ? Ce n'est pas à vous d'ôter cette douleur. Chaque année, un élève voit quelque chose d'encore plus fou et improbable dans ses feuilles de thé. Oh, Miss Morganac, de retour à Poudlard, bienvenue, professeur. Il va falloir que je m'habitue à cela, professeur Rockwood. C'est un plaisir de savoir que vous êtes devenu professeur de défense contre les forces du mal. Venez, asseyez-vous, parlez-moi de vos voyages. En fait, j'avais dans l'espoir que vous pourriez tous venir me voir chez moi ce soir. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Cela me ravirait. Nous préviendrons les autres. Très bien. Nous nous verrons là-bas. Un autre souvenir. Maintenant, je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Encore de la pierre cristallisée. Ce passage doit revenir à la salle de... Qu'avons-nous là ? J'étudie à Poudlard, monsieur. Et voici le professeur Fig. Professeur Charles Rockwood, à votre service. Quelqu'un a donc réussi la première épreuve ? En effet, professeur Rockwood. Nous vous avons vu dans la pancine à Gringotts, avec le professeur Rackham. Tout à fait. Alors, vous avez trouvé le porte-loin pour accéder au caveau du professeur Rackham, et vous avez déchiffré la carte dans le médaillon qui flottait au-dessus de la pancine ? Oui. J'ai trouvé quelque chose que je n'arrive pas à identifier au-dessus de la dernière pancine. Ah, oui. Vous trouverez un artefact similaire à chaque épreuve. Vous devez les garder en sécurité. Vous en aurez besoin à la fin du voyage que nous vous avons préparé. Une fois que vous les aurez tous, nous vous dirons quoi faire. Très bien. Pouvez-vous m'en dire plus sur la prochaine épreuve ? Avant de continuer, j'aimerais que vous alliez parler à Charles de la situation avec les gobelins. Les gobelins ? L'élève a vu des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. L'élève et son mentor, le professeur Fig, ont vu des gobelins rôder autour de la tour de San Bacar. Et ils ont également vu un puissant gobelin dans mon coffre, à Gringotts. J'ai bien peur que nous ne devions arrêter les épreuves jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations. Nous nous en remettons à vous pour cela, bien sûr. À présent... Dites, professeur, ce nom, Rockwood, vous pensez que... Qu'il y a un lien avec Victor ? Peut-être, mais nous ne pouvons pas en être certains. Pour l'instant, dites-moi ce que vous avez vu dans la pancine. Avant qu'Isidora, la sorcière que j'ai vue dans la dernière pancine, n'enseigne à Poudlard, elle s'était disputée avec le professeur Rackham au sujet de l'utilisation de la magie contre la douleur. Espérons que la prochaine pancine nous donnera plus de contexte.
En attendant, nous devons découvrir ce que c'est Ranrok. Pour être honnête, je ne sais pas du tout par où commencer. À vrai dire, je connais peut-être quelqu'un. J'ai vu Cyrona des Trois Balais parler à un gobelin. Ils semblaient bien s'entendre. Cela vaut la peine d'essayer. Essayez d'en savoir plus. Et bien sûr, n'oubliez pas... Mes devoirs. Bien, monsieur. Avant que vous ne partiez... Professeur ? Avez-vous trouvé des traces de magie sous forme de tourbillon dans le monde, en dehors de celles que nous avons croisées ? Pas que je sache. De quoi s'agit-il ? Ce sont des traces des efforts des gardiens visant à manipuler la magie ancienne. Elles datent de notre époque. Si je ne me trompe pas, et je me trompe rarement, vous devriez pouvoir vous en servir pour améliorer votre propre magie. Merci, monsieur. J'ouvrirai l'œil.